सकीना गुजर गई
sakina guzar gayi, sakina guzar gayi. Salawat Muhammad. Kisne kaha Baba, teri sakina ko neend aaye to kaise? Baba, teri sakina ko neend aaye to kaise? Ab ho ke juda khaak pe, ab ho ke juda khaak pe, so paaye to kaise? Baba, teri sakina ko neend aaye to kaise? Baba, teri sakina ko neend aaye to kaise? Pamal padi laash hai, Baba ye batao. Pamal padi laash hai, Baba ye batao. Masoom tera laasha, Masoom tera laasha. Baba, teri sakina ko neend aaye to kaise? Baba, teri sakina ko neend aaye to kaise? Na roshni hawana koi saath hai mere, na roshni hawana koi saath hai mere, tanhai ye zinda mein hai, tanhai ye zinda mein hai, na ghabraaye to kaise? Baba, teri sakina ko neend aaye to kaise? Baba, sakina ko neend aaye to kaise? Koi kaidi kahe mujhko, koi bole yatima, koi kaidi kahe mujhko, koi bole yatima, hai naam sakina koi, hai naam sakina koi, batlaaye to kaise? Baba, teri sakina ko neend aaye to kaise? Baba, teri sakina ko neend aaye to kaise? Sheh kehte the har gaam, duhai hai duhai, bhai ke liye maut hai, bhai ki judai. Sheh kehte the har gaam, duhai hai duhai, bhai ke liye maut hai, bhai ki judai. Tum seene ki thandak the, to aankhon ki ziya the. Tum Fatima Zahra ke duaon ka sila the.
मिलने के नहीं ढूंढूं अगर सारी खुदाई भाई के लिए मौत है भाई की जुदाई शह कहते थे हर गाम दुहाई है दुहाई भाई के लिए मौत है भाई बच्चों को सकीना लिए खैमे में खड़ी है अब्बास के आने के उसे आस बड़ी है कैसे उसे समझाऊं कि क्यों मश्क न आई भाई के लिए मौत है भाई के दुआई ज़ैनब ने वतन छोड़ा तुम्हारे ही सहारे जी पाएगी किस तरह वो अब बाद तुम्हारे हम दोनों को इस दिन के लिए साथ बुलाई भाई के लिए मौत है भाई की जुदाई जब शिमर लगा काटने हजरत के गले को अब्बास मेरे भाई मुझे आके बचा लो दो बार का शाह ने भाई मेरे भाई भाई के लिए मौत है Venice, temni kimat pacero ni rakoma avidice ne te devede nohakan Hussein Jarinice satosat. Servine jan kroma avice ke astilene chalisma sudi maglisni rakam dasoro ni rakoma avidice. Uvinati kariz bai tasim pase ke te ni avine temno pravacan peshkare par Muhammad wa Muhammad salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaiterais commencer mon discours par un hadith de notre sixième imam. Celui qui fournit de l'eau à quelqu'un qui en a déjà à sa disposition est comme celui qui a libéré un esclave. En revanche, celui qui fournit de l'eau à quelqu'un qui n'en a pas à sa disposition est comme celui qui a accordé la vie à une âme. Et celui qui a accordé la vie à une unique âme, c'est comme s'il avait accordé la vie à toute l'humanité. Salat par Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je voudrais vous faire part de la situation alarmante concernant l'accès à l'eau potable dans le monde. Voici quelques statistiques qui devraient préoccuper chacun d'entre nous. 2,4 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable, soit près d'une personne sur trois sur cette planète. Une autre statistique, une personne sur 10 consomme une eau avec laquelle vous ne laveriez même pas votre voiture. 1,1 milliard de personnes n'ont pas accès à une source d'eau améliorée. Une source d'eau améliorée est une source d'eau protégée contre la contamination extérieure, en particulier les matières fécales. Autrement dit, ces personnes
consomme une eau qui n'est même pas isolée convenablement des déchets humains. Concernant les conditions sanitaires, nous avons également des chiffres alarmants. 2,6 milliards de personnes n'ont pas accès aux installations sanitaires de base, soit 40% de la population mondiale. Une installation sanitaire de base doit permettre de se laver convenablement, mais surtout d'isoler les déchets de l'eau. Une dernière statistique, 1 milliard de personnes font leurs besoins à l'air libre, ce qui leur fait prendre d'énormes risques pour leur santé. Ces mauvaises conditions entraînent des dizaines de maladies, des diarrhées, des maladies intestinales, le choléra. Voici un chiffre qui fait froid dans le dos. 5000 enfants meurent chaque jour à cause des diarrhées. 5000 enfants meurent chaque jour à cause des diarrhées car ils consomment une eau impropre à la consommation. Autrement dit, sur cette planète, un enfant meurt toutes les 20 secondes car il consomme une eau qu'il ne devrait pas consommer. Sur un an, nous avons 1 800 000 enfants qui meurent des diarrhées. Un autre chiffre alarmant, 500 millions de personnes sont exposées au risque de trachome. C'est une maladie infectieuse qui peut rendre aveugle. Ce sont donc actuellement des millions de personnes qui sont devenues aveugles ou malvoyantes à cause de cette maladie. Il s'agit d'une crise aussi épouvantable qu'un gigantesque séisme ou un tsunami. Des milliers d'enfants meurent chaque jour. Chaque jour, des milliers de parents pleurent leurs fils et leurs filles. Nous pouvons et nous devons agir face à cette colossale tragédie humaine. C'est dans ce contexte qu'est née Alias Girl Water Appeal, une initiative de la World Federation qui a pour but de faciliter l'accès à l'eau potable et à des installations sanitaires décentes. Pour cela, elle a établi 5 plans d'action. Construire des puits et des pompes à eau, installer des réservoirs d'eau, mettre en place des outils pour tester l'eau, fournir des tablettes de chlore qui permettent de garantir une eau potable, et enfin installer des latrines et mettre en place un système d'assainissement des eaux. Tout ceci ne peut être possible sans votre aide généreuse. L'eau potable est le plus précieux des cadeaux que vous pouvez offrir. Des boîtes sont à votre disposition dans le hall pour faire vos dons. Vous pouvez également faire un don via carte bleue. Et enfin, vous pouvez également faire un don en ligne à l'adresse qui s'affiche à l'écran, zenobia-media.com/faire-un-don.php. Nous avons en tête les pleurs des enfants d'Imam Hussein qui réclamaient de l'eau. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'enfants qui réclament une eau saine. Nous comptons sur votre générosité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, I'll pull it wide.
Koi maasuma zinda.
har bukti se وَزُهُورًا
واجعلنا من أهوالك من الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.